Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Qu'est-ce qu'il te faut, petite? J'ai une amie qui ne vous aime pas beaucoup. Comment c'est surprenant? Il s'agit de Napopo, je crois qu'elle vous déteste. Napopo? C'est un nom tiré de la mythologie. C'est étrange qu'une personne ne le porte. Bien, mon ami est pas assez, est vraiment spécial. C'est que Napopo est considéré comme le nom antique de Mara, c'est celui d'une civilisation sous-marine. Il y a une connexion particulière à cet océan. Je ne voudrais pas être l'ennemi de quelqu'un portant le nom de Napopo. Qu'est-ce que je peux faire? Pas rien. Mais prends cette perle. On me l'a rapportée du grand arbre. D'après la légende, elle appartient à l'une de ces créatures. D'accord, je vais lui apporter. Tiens, prends ça, c'est Akila qui me l'a donné pour toi. C'est une perle très spéciale. Est-ce qu'elle te plaît? Elle est jolie. Oh, j'en suis désolé. Est-ce qu'elle appartient à ta famille? Akila me l'a donné pour toi. Pardon, c'est vraiment triste. J'espère qu'elle t'aidera à te souvenir de ta famille. À propos, ballon, parler de Blue. Retourne voir Blue et parle-lui de la perle de Napopo. Blue, je crois que Napopo veut me dire quelque chose. Oui, voyons. Je vois, elle dit que la perle appartient à son peuple. Elle est heureuse de l'avoir récupérée, elle veut donner quelque chose en retour à Akila. Je suis content de l'entendre. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de trésor englouti, Napopo, tu guideras. Parfait. Ah, l'achat. C'est bien, je vais acheter du coton.
Thank you.
Ah, ce sont partis. Alors. Allez, c'est. Avez-vous découvert quelque chose dans le livre? Pas encore, n'as-tu rien fait d'autre? Tout à fait, mais j'avais envie de passer vous voir. Quoi ressemble ton foyer? C'est une maison. Elle pourrait tenir une seule pièce de votre maison. Nous allons lui apporter une touche d'élégance. Est-ce que les statues lui plaisent? Elles sont chics. Ce sont des répliques d'œuvres originales qui appartiennent à la marine. Écoute, je vais t'en donner une pour que tu puisses décorer ton jardin. Trouve que c'est joli, tu pourrais revenir en acheter d'autres. Déjà une écharpe, tu n'étais pas obligé, mais merci. Et d'eau, c'est sans banc. Prends tes petits insectes en échange. Quoi, ouais, c'est une commission habituelle, ne sois pas. Porteur. De l'arbre ou de le trésor.
Avance dans la quête de Koa pour quoi? Ok, là je comprends. Deux sucres. Ouais, je vais pas te dire où prendre la fraise. De l'eau non plus. Ah, de la glace, il faut de l'eau. L'eau, je la remplis comment? Oh. La rivière. De l'eau douce. Peut-être faut que je me fasse un saut. Quelqu'un qui vend de la gelée, je pense qu'il vend de la gelée. Et l'eau non plus, je sais pas ce qu'elle est là. Ah non, l'eau c'est vrai. J'ai des guimauves bien crémeuses pour toi. Bref, ne t'en fais pas, à vrai dire, ce n'est pas le genre de sucrerie que je préfère. Peut-être que ça plaira plus à Mayo. Yo, c'est pas tous ces après-midi pour goûter mes desserts. Elle les adore. Je vais lui apporter alors. Est-ce que tu aimes les guimauves? Miam, c'est délicieux. C'est Taka qui lui... Pardon? J'espère qu'Awan ne le saura jamais. Il verra ça comme une trahison. Je ne comprends toujours pas pourquoi ces deux-là ne travaillent pas ensemble. Je suis sûr qu'ils seraient d'une grande aide de l'un vers l'autre. Peut-être. Je crois que tu es un peu folle. Tu verras. Écoute.
est vraiment belle.
Voilà, pourrais-tu te rendre sur une île au sud d'ici? C'est une île déserte colorée sur laquelle tu trouves un volcan. Il me faut un métal rare qu'on trouve uniquement là-bas. Il est magique? Non, il n'est pas magique. Il a simplement énormément de valeur, il paraît. Je pensais peut-être. Je pensais me faire un buste. C'est pour la postérité. C'est quoi la postérité? Le futur, pour la génération à venir. Afin qu'elle se souvienne de moi. Quoi faire? Peu importe, emporte-moi ce métal brut. Métal étrange brut. Peux pas aller là. Faut de l'eau, je sais pas comment. Faut des ananas, je sais pas. Et mystérieux, je sais pas laquelle que c'est. Plante dans les eaux, je peux pas y aller. Comme un réservoir là-bas en haut. On va voir qu'est-ce qu'elle dit à le site. J'ai un petit problème. Je ne suis pas très doué pour la cuisine. Bon, j'ai demande beaucoup d'efforts et je n'ai jamais le temps d'apprendre. Je pourrais vous donner des leçons. Je sais cuisiner le poisson, préparer des salades. Je peux faire des sandwichs. J'aimerais bien une salade. Parfait, je vous en apporte une tout de suite. Yam, cette salade a l'air bonne, elle est vraiment facile à préparer, je vois. Vous allez essayer d'en préparer une? Ben oui, dès que j'en aurai le temps. D'accord. Prends ça pour un dérangement. Ouais, je suis très occupé. Par quoi? Par un projet secret. Fabriquer un colosse de métal. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a une main géante métal derrière. Ouais, je pensais qu'elle passerait inaperçue. Vraiment, on peut la voir depuis n'importe quel autre point de l'île. Le reste. Son corps est au nord, près du mur de glace. C'est là-bas, il y a un peu, mais il y a passé des choses. C'est une longue histoire. C'est cool, je suis obnubilé par ce robot colosse, même si je mets du temps à le construire. Je pourrais vous aider. J'ai besoin de matériaux en particulier, du cuivre et du métal brut. Vous pouvez m'en apporter, ce serait formidable. Est-ce que vous pensez que ces matériaux seraient assez bons? Ah, parfait pour commencer à construire le robot. Merci, quoi. De rien. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? J'aimerais être aussi forte que vous. Tu seras un jour, quoi. Donc, c'était tout pour le jeu Summer in Live. Summer in Mara. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh, yeah!